Bonjour, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est le 4 décembre. Je continue d'ouvrir mon calendrier de l'Avent et de vous parler du jeu de rôle. Là, j'ai une pile de cette taille-là sur le bureau. J'ai hâte de vous montrer ce que c'est. Si vous me connaissez un peu, vous savez que c'est un jeu que j'allais forcément aborder. On va commencer par le calendrier sur le 4. Alors, le 4, sans difficulté, hein, ils sont dans l'ordre. Peut-être l'année prochaine, si je refais, je prends en sorte de galérer un peu pour trouver les chiffres. Alors là, on a une innovation. On a une boule de Noël qu'on peut accrocher dans le sapin. Moi personnellement, j'ai jamais accroché le chocolat dans le sapin. Déjà parce que j'avais peur de l'oublier et bah parce qu'en fait, il n'a pas le temps d'être accroché et souvent on mange avant. Et sans surprise, vous l'avez déjà vu, hein, il est toujours là, le chocobon. Donc c'est parti, on va continuer avec les vidéos. Le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le premier jeu sur lequel j'ai fait une campagne de 6 mois et que j'ai terminé. Parce que je commençais souvent des choses et dans le groupe, on changeait de MJ, donc j'avais pas forcément le temps de finir. Ou alors il y a un nouveau jeu qui sortait, tout le monde voulait jouer au nouveau jeu et j'avais pas forcément l'opportunité de reprendre et de finir la campagne que j'ai commencée. Donc je vais vous parler de Sion, la légende des 5 anneaux. Alors je commence avec la deuxième édition, j'en ai plusieurs chez moi. Celle que j'ai masterisée et que j'ai fait une campagne de 6 mois, ben c'est cette version-là, la deuxième édition. Elle n'était pas forcément hyper bien équilibrée, il y avait des choses un petit peu obscures, mais au niveau de l'histoire de l'univers, j'aimais bien. J'aimais beaucoup celle de la période de la deuxième édition. Ça se présentait comme ça, on avait un livre. Voilà, vous voyez que ça a été utilisé. Hein, voilà. Merci aux gens qui mangent du saucisson pendant les parties de jeux de rôle, ça, voilà. Et derrière, on a un personnage avec des indications de ce qu'on peut jouer et ce que c'est que le livre du joueur. Ça va de pair donc avec le livre. Du maître du jeu, avec ce personnage qui est en couverture, on est sur des visages, et derrière on a un personnage qui combat et aussi des explications. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dites-moi si vous avez commencé le 5A, avec quelle édition vous avez commencé. On a toujours une carte, alors je suis dans quel sens? Voilà. Donc c'est très, très sommaire. Maintenant on trouve de magnifiques cartes en format JPEG ou même PDF. Qui permet d'inscrire des choses et de les imprimer en bonne qualité. Donc voilà, c'était très sommaire, mais ça a le mérite de fonctionner. Ensuite, voilà à quoi ressemble l'intérieur. On est sur du noir et blanc. Voilà, je pense que vous voyez bien, on est sur du noir et blanc, puis ça présente les clans. Donc L5S, c'est un jeu où on joue des samouraïs hein, avec de la magie dans un univers très, très codifié. Ce qui peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, genre Daimyo, Samurai, Samuraiko, Maotsukai, donc Mao c'est la magie sombre, Maotsukai c'est celui qui fait de la magie sombre, donc il y a tout un vocabulaire à apprendre. Et si on commence tous ensemble, c'est sympa parce qu'on apprend le vocabulaire ensemble. Si on se retrouve avec des gens, ça fait 10 ans qu'ils jouent à L5A, ils ont complètement oublié que des gens ne comprennent pas les termes, et donc ça demande de s'adapter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer dans le jeu? Peut-être la fiche de personnage, je pense qu'il y en a une à la fin, j'aimerais bien vous montrer ça. Moi c'est quelque chose que je fais en général, c'est j'ouvre, je regarde le livre à quoi il ressemble, et ensuite je regarde la fiche de personnage. Si la fiche de personnage me paraît extrêmement compliquée, j'ai l'impression que je galère un peu à vous montrer là. Voilà, si la fiche me paraît extrêmement compliquée, eh bien je laisse tomber en fait. S'il y a trop de petites cases, de petits mots et tout, je me dis c'est pas possible. Alors que là, si vous regardez bien, alors je vais vous mettre à cette distance-là. Vous regardez, vous avez dans le gris, ça se verra pas bien, mais des mots avec des anneaux. C'est pour ça que ça s'appelle le livre des 5 anneaux. Ça reprend le livre de Miyamoto Musashi, un samouraï très célèbre qui avait écrit le traité des 5 roues. Donc ça reprend les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et le vide. Et à travers ces éléments-là, vous avez des attributs. Vous avez après des compétences qui sont à choisir en fonction du personnage que vous avez choisi. Donc si vous échouez un magicien, il va savoir des choses sur le monde des esprits, ce qu'on appelle les kami. Si vous choisissez un guerrier, il peut avoir histoire, parce qu'il va savoir des choses sur l'histoire des batailles, sur les... Voilà, il y a plein de choses. C'est pas forcément que du combat. La deuxième édition s'ouvre un peu. La première édition était vraiment portée combat. La deuxième s'ouvre un peu plus sur des mystères, sur des choses à enquête. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous montre après le livre du maître. Voilà. Donc c'est pareil. Hein, là il y a un petit peu moins de saucissons, de gens qui ont mangé de saucissons couvert le livre. Donc voilà. Oula. Oh, par contre c'est un vieux livre. Je vais faire attention. Les vieux livres, je pense que ça vous arrive aussi. La reliure, elle est un peu foireuse. Là j'ai été un peu fort et il n'a pas aimé. Donc voilà, ça se passe comme ça. Vous avez pas mal d'informations. Je ne l'ai pas ouvert depuis des années, hein, ce livre.
Donc c'est pour ça qu'il s'est manifesté à nous. On a la table des matières qu'au début. Et donc là, c'est vraiment les secrets du MJ. Hein. Là, c'est vraiment le livre que vous laissez à un joueur s'il décide de masteriser. Mais là, sinon, c'est pour vous. Alors, j'ai pas l'écran, mais j'ai toujours pris l'écran. En général, j'achète le livre de base, l'écran. Et s'il y a un livre du joueur, je prends le livre du joueur. C'est vraiment le truc que j'ai toujours acheté de base à chaque fois que j'ai un jeu, en fait. Donc là, on a un petit scénario, je crois, avec voilà, des personnages, des prêts tirés, des méchants. Et des nouveaux sorts, peut-être. Au moins, c'est les sorts des monstres, peut-être qu'il y a des nouveaux sorts. Ouais. Donc oui, les dessins des personnages, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est un truc que je regrette, j'aimais bien ce genre de personnages, en fait. Pas forcément tous bien réussis, mais je trouve que ça donnait tout de suite une idée de ce qu'on voit, en fait. Voilà. Donc c'est intéressant. Ensuite, dans ce jeu, il y a plusieurs clans, et par clan, ils avaient sorti un livre. Donc là, c'est la voix du scorpion qui... voilà. Donc si vous cherchez la personne qui mangeait du saucisson, quel clan il jouait, bon bah c'est le clan du scorpion. Voilà, on est sur quelqu'un qui a un petit peu eu les doigts gras et qui s'en foutait, malgré le fait qu'on lui demande. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pareil, vous voyez que ce genre de reliure, elle tient pas dans le temps, en fait. Hein. J'ai les pages, elles sont posées, en fait. Hein. Donc, je vous montre, c'est posé, quoi. Donc faut garder ça un peu comme un manuel. Le clan du scorpion est un clan extrêmement intéressant. Il est souvent un peu incompris. On pense que les scorpions, c'est forcément des traîtres qui ont tout le temps trahir, tout ça. Alors qu'en fait, c'est des gens qui sont prêts à se tailler les mains pour faire ce qu'il faut faire. Et quand vous avez un joueur qui le comprend, c'est hyper intéressant de le jouer. Et moi, ce que je conseille aux MJ qui jouent avec des joueurs qui sont du clan du scorpion, c'est pas forcément de mettre dans les antagonistes ou dans l'histoire que le scorpion soit forcément un traître. Ça peut être quelqu'un qui fait semblant de l'être pour acquérir une connaissance, pour rejoindre un groupuscule, mais voilà, faut qu'à la fin, on se rende compte que ce personnage-là, il œuvre pour l'Empire. Parce que c'est des personnes qui ont énormément de secrets. Donc voilà. C'est un des clans que je pense qui est le plus intéressant et vraiment propre à ce jeu-là. Moi, j'aime beaucoup les clans mineurs. Donc c'est des clans qui n'ont pas forcément beaucoup de territoire, mais ils apportent une petite touche à l'univers. Et dedans, on a le clan des Kitsune, qui sont proches de la magie, tout ça, et ils ont une forêt, ils habitent près de la forêt Mori. Et c'est intéressant parce qu'il y a des dieux et des divinités qui habitent dans cette forêt-là, donc ça, c'est cool. Chaque clan a une histoire, et vous n'êtes pas obligé de tout connaître avant de commencer le 5A, savoir toute l'histoire des clans majeurs, des clans. C'est trop copieux, en fait. Donc dès qu'il y a un clan qui vous intéresse, ben, vous poussez un petit peu, vous lisez, et après, vous avancez pas à pas. Donc là, dans celui-là, il y a le clan de la guêpe aussi, qui sont des chasseurs de primes, qui sont super cool. Donc il y a plein de choses. Et voilà, encore une fois, je suis sur un livre où les pages, malheureusement, sont pas très, très bien mises. J'ai l'impression que c'est plus comme ça, les livres maintenant, qui restent un peu plus solides. Donc voilà, c'est toutes ces reliures-là, en fait, elles tiennent vraiment pas dans le temps. Ensuite, on a ce supplément-là que j'avais pris, L'ère du vide. Je l'avais pris, je crois que c'est un scénario qui permettait de faire une histoire assez importante dans l'univers. Là, je crois que c'est Dame Kashiko qu'on voit qui est un personnage très célèbre de cet univers-là. Donc là, dans ce supplément-là, je crois qu'il y a des sortilèges en plus. Donc c'est pas mal. Et il y a des personnages emblématiques qui étaient dedans. Donc je vous remonte la couverture parce que je trouve que c'est une des couvertures les plus sympas. J'aime beaucoup le style de dessin un petit peu mi-comics, mi-manga, je trouve que ça m'attirait beaucoup. Le côté marbre, là, par contre, j'ai jamais trop compris le rapport avec l'univers. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce côté de marbre, voilà, j'étais pas fan. Et le dernier, enfin, avant-dernier supplément que je vais vous montrer de la deuxième édition, c'est la voix du Nezumi. C'est super cool en fait, dans cet univers-là, il faut s'imaginer qu'il y a plein de créatures. Et parmi ces créatures, en fait, on a ce qu'on appelle les Nezumi, qui sont des hommes rats. Ils sont doués d'intelligence, ils peuvent un peu communiquer, ils peuvent apprendre. Et en fait, c'est un peu des créatures qui sont hyper, hyper malignes et qui savent apprendre des samouraïs. Donc il y en a beaucoup dans des endroits ultra dangereux. Et surtout, ils ont une capacité, c'est que dans des endroits qui sont ce qu'on appelle souillés, eux, ils survivent à la souillure. Ils ne deviennent pas, entre guillemets, maudits. Donc c'est un peu intéressant, et c'est pour ça qu'il a une armure de samouraï, en fait, c'est parce qu'il a été recruté par des samouraïs, et qui va dans les endroits qui sont souillés, et il va enquêter, et ramène des infos, il va dire, bah là, il y a tant d'ennemis qui sont en train de se diriger, donc c'est des éclaireurs,
Et ils sont super drôles parce que ben, ils ont leur monde à eux, ils ont leur principe. Et moi j'adore en fait. Voilà. En fait, ils vivent en famille, c'est super cool. Faut imaginer que les petits font des bêtises tout le temps, ils chapardent. C'est vraiment la famille en fait. C'est ça que j'aime bien avec ces personnages-là. On est dans un univers qui est ultra codifié où chaque personne a sa place dans l'ordre céleste, enfin dans l'ordre du monde, tout est hiérarchisé et eux ils arrivent en mode on fait notre petit campement, c'est tranquille quoi. Tout va bien quoi. Donc je trouve que ça représente bien cette image-là, elle représente. Attends, j'ai poussé mes doigts. Cette image-là, elle représente vraiment bien c'est quoi l'univers des Nezumi quoi. Alors pour l'anecdote, ce supplément-là, je l'avais emmené au lycée. Et bah, je l'avais ouvert un peu dans la cour et je me suis pris tellement de regards, genre c'est quoi ce livre, qu'est-ce qu'elle lit? J'ai jamais osé ramener un livre de jeu de rôle après au lycée quoi. Ou alors j'aurais dû inventer comme ils font maintenant les couvertures quand tu lis des livres gênants dans le métro, il y en a, ils ont des couvertures un peu de camouflage, je trouve ça malin. Le dernier supplément de la deuxième édition que je vais vous montrer, c'est Otosanochi. C'est la capitale du jeu, enfin dans le jeu de rôle. Et ce livre, c'est en fait, j'ai une tradition, une fois par an, je le montre à quelqu'un, un rôliste, et là, en fait, je me rends compte que, ben, en jouant en dématérialisé, en distance, en fait, cette année, je ne l'ai montré à personne. Donc, j'ai pas respecté ma tradition. Je vais pousser un petit peu parce que c'est une boîte assez volumineuse. Je vais mettre ça en bas. Voilà, donc cette boîte-là, ça se présente comme une boîte, hein. C'est vraiment une boîte, il y a du texte derrière. Voilà. On a toujours ce marbre que je comprends pas. Voilà. Et à l'intérieur de cette boîte-là, vous allez avoir plusieurs ouvrages. En fait, c'est des scénarios sur la capitale et toute la. Alors, je sais même plus si c'est vraiment des scénarios ou c'était juste des. Voilà, j'en ai trois. Voilà. Et en fait, c'est des informations, c'est le guide. Voilà, guide de la capitale. Donc, vous avez à l'intérieur des numéros. Je vais vous montrer là. Donc voilà, on voit que c'est par zone dans cette capitale-là. Et à l'intérieur de la zone, après, on a dans le livre, on a toutes les informations sur ce qui se passe en fait. Donc ça peut être intéressant d'apprendre un petit peu un quartier et de se balader. Et il y a tellement de choses à faire. Et ce que j'avais trouvé extrêmement intéressant dans ces ouvrages-là, c'est qu'en fait, il y a un personnage dans cette ville qui est connu de tous. En fait, à chaque fois que quelqu'un perd un objet dans la ville, il l'amène à cette personne. Et donc ce personnage-là, ce PNJ, dont je sais plus le nom, c'est pas forcément quelqu'un d'un clan, je crois que c'est juste quelqu'un qui a sa petite boutique et qui garde en fait les objets que les gens ont perdus. Donc par exemple, si vous trouvez un objet dans cette ville-là, ben, vous pouvez l'amener à ce personnage-là. Et ça peut être intéressant parce que si c'est un personnage important qui a perdu quelque chose et qui sait que c'est vous qui l'avez ramené à cette boutique-là, ben, vous pouvez gagner en renommée, tout ça. Ou même si vous enquêtez en disant, matin, il y a quelqu'un qui a disparu, tout ça, vous pouvez aller voir dans la boutique s'il n'y a pas des affaires de cette personne-là qui ont disparu ou des choses ou qu'on a retrouvées. Et par exemple, ça peut lancer une enquête. Ah bon, on a retrouvé cet objet-là dans telle ruelle qui appartient à un samouraï qui a disparu. Donc cette boutique-là, je trouve qu'en termes de roleplay, elle est super intéressante, elle amène énormément de choses. Et c'est vraiment propre à l'univers des 5A. Parce que dans ce monde-là, on se vole pas en fait. Ça se fait pas de se voler. Donc c'est normal que qu'est-ce qu'on fait quand on trouve des objets qui nous appartiennent pas? Bon, on les remet à cette personne-là. Donc je trouve que ça, c'est un scénario qui commencerait vraiment dans cet univers-là, typique. Et on verra pas ça dans un autre univers où on va commencer dans la taverne, des choses assez classiques, alors que là, commencer dans la maison de celui, enfin dans la boutique de celui qui ramasse ses objets perdus, moi je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, je l'avais fait en scénario, hein. Ils avaient enquêté dans cette boutique. Hein. Voilà, on a aussi tout ce qui est un petit peu fleuve et eau, donc voie d'eau, donc c'est intéressant. Et à la fin, celui-là, bah là, voilà, c'est celui-là. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un scénario. Là, on a une espèce de chronologie, voilà, où on ne voyait pas forcément parce que je mets toujours mes doigts dessus. Voilà, où on a une chronologie. Et à l'intérieur, on a un scénario qui se déroule, qui est assez. C'est un scénario qui est assez important dans l'univers parce qu'il y a un bouleversement après, en fait. Voilà. Et ça, il y a toujours marqué, hein, que c'est pour le maître du jeu. Voilà, il y a toujours indiqué ce maître du jeu. Comme ça évite que les joueurs, sans le vouloir, ils se spoilent. Et la chose la plus intéressante de cette boîte, c'est que vous voyez qu'il reste quelque chose. On voit que c'est un dessin, on voit qu'il y a de l'eau, mais je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, donc c'est un format A4 que j'ai déplié. On a toutes les cases
Donc je vous montre à chaque fois. Hein. Très beau symbole de dragon. Et en fait, à chaque fois, on a toutes les cases numérotées. Et toutes les cases numérotées existent dans le livre et sont expliquées. On sait ce que c'est. Donc je continue à ouvrir. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le plan. Voilà, je vous montre un peu comme je peux. Donc là, je n'ai pas encore ouvert en entier. Hein. Donc il y a énormément de choses sur cette capitale. Et voilà la grande partie ouverte. Donc voilà, on ne me voit plus. Hein, je suis ouvert. Je crois que c'est du A0 en termes de format. Je suis pas sûre de moi, mais c'est du A0. Et en fait, ce que je suis en train de montrer fourbement, c'est pas la meilleure partie. C'est pas la partie la plus intéressante, en fait. Vous dites pourquoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, de l'autre côté, je tourne, je vous remontre. En fait, de l'autre côté, on a exactement la même chose en couleur. Voilà. Donc ça, faut vraiment. J'ai des petits bras, hein, je fais comme je peux. Faut vraiment essayer d'imaginer que sur table. C'est superbe. Donc c'est super intéressant. Bon, moi quand j'ai commencé à jouer, ça a été le supplément qui m'a marqué le plus parce que c'est la première fois que j'avais une carte de cette qualité-là. C'est-à-dire qu'on avait vraiment tous les bâtiments et en plus il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire que si vous regardez, que vous survolez tous les bâtiments qui existent, on n'a pas 15 fois une écurie ou 15 fois la même chose. Et chaque fois les personnages qui sont présentés, qui vivent dans le lieu. C'est suffisant pour qu'on voit comment l'interpréter en fait. Il n'y a pas besoin de lire quatre paragraphes. On a une petite amorce et c'est super intéressant. Donc voilà tout ce que j'ai sur la deuxième édition d'L5A. Je pense que c'est un jeu qui m'a vraiment donné envie de masteriser. En termes de souvenirs, voilà, comme je vous ai dit, c'était la campagne de 6 mois, celle que j'avais commencée. J'ai vraiment, vraiment malmené les joueurs dans cette partie-là. Je m'excuse encore. Ils ont été punis à un moment donné dans l'aventure parce qu'ils n'ont pas réussi à montrer que c'était pas eux qui étaient des méchants, qui faisaient de la magie obscure, la magie donc le Mao Tsukai. Ils n'ont pas réussi à prouver leur innocence sans faire tourner en fait par un méchant. Et ils ont été punis en étant dans la forêt Shinomen pendant 10 ans. En fait, la forêt Shinomen, c'est une forêt où personne ne revient. Donc en fait, quand t'es puni à rester 10 ans là-bas, c'est un peu comme si t'es puni, ne reviens pas, t'es considéré comme mort. Et donc on a fait une ellipse, et sont revenus, ils sont sortis de cette forêt 10 ans plus tard. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le jeu était quand même pas mal déséquilibré, parce qu'on avait une Shugenja du clan du Phénix, qui était tellement forte qu'elle pouvait faire des German suplex à des ours. Donc là, on s'est dit, bon, le jeu poussé à l'extrême, c'est-à-dire avec beaucoup d'expérience, beaucoup de temps pour monter les personnages, ça devient un peu bizarre, quoi. Mais ça reste de l'héroïque, ça reste quand même des personnages qui sont capables de faire des prouesses. Donc, quelque part, rester dans la forêt de Shinomen pendant 10 ans, c'était quand même pas si bizarre que la Shugeja était capable de faire des German suplex, donc la magicienne, hein, à des ours, quoi. Donc voilà, je vous montre la suite, j'en ai encore quelques-uns. J'ai la troisième édition. Donc la troisième édition, elle se présentait avec un livre, un seul livre en fait. Il n'y avait pas côté joueur, côté MJ. Voilà, on a un petit bandeau, on n'a pas de personnage, on est vraiment sur le côté sobre, le katana avec le symbole, et là cette fois le titre en français, et l'édition en bas. J'ai pas plus de choses de ça que ça, je crois que j'ai, voilà, c'est tout ce que j'ai sur la troisième. Je crois que j'ai même pas d'écran, j'ai même pas de supplément. Qu'est-ce qui changeait par rapport à la deuxième? J'ai l'impression que ça avait un peu affiné au niveau des règles et au niveau du background, je m'en souviens plus. Je sais, je crois pas qu'il y avait. Je crois qu'il y avait la continuité du scénario, mais qu'il n'y avait pas de grosse évolution ou de changement majeur. Ensuite, je suis passée à la quatrième édition, que j'ai très peu joué en fait. Le livre est plus gros. On est sur du gris. Vous savez que j'aime pas trop tout ce qui est gris. Donc le gris et rouge aussi, ça ressort pas super bien. J'aime bien la lame qui a été utilisée, qui montre que ben voilà, t'es un samouraï, t'as une arme, c'est aussi pour la sortir. Et vous voyez, il y a un reflet de personnage à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez discret, mais ça mérite d'être là. Et derrière, on a encore la continuité avec le texte alors de ce côté-là. Donc j'étais pas super fan de cette couverture. Par contre, l'intérieur du livre est très joli. C'est vrai que je vous ai pas ouvert le 3. Donc là, on est sur des couleurs. On est sur des illustrations avec pas mal de choses. Voilà. Là, on a des doubles pages avec des informations, une ambiance. La carte est beaucoup plus travaillée. Je sais pas si vous vous souvenez de celle du 2. Voilà, on est quand même sur quelque chose avec plus de un côté un peu aquarelle. C'est pas mal du tout. Et je sais pas si l'affiche, je voulais montrer. Elle n'a pas beaucoup évolué. Je prends l'affiche un peu en design, mais. Ah non, je. Ouais.
Voilà, elle a toujours le principe. Alors c'est beaucoup plus joli, hein. Elle a toujours le principe des anneaux, les compétences qu'on note par rapport à son personnage, et puis après vous avez tout ce qui est armure, points de vie, et il y a des. Il y a honneur, gloire, statut et souillure de l'autre monde sont propres à ce jeu-là. Parce que plus vous êtes honorable et glorieux, plus dans l'univers vous êtes connu et c'est important en fait. Et j'en profite pour montrer la 3 parce que j'ai oublié de le faire. Je n'ai pas ouvert la 3. Donc comme ça c'est bien parce que vous voyez la différence entre la 2, la 4 et la 3 maintenant. Donc on est sur de la couleur. Les illustrations sont en couleur. Voilà. On n'a pas, je crois pas qu'on a de double page. Je me souviens pas être tombé sur des doubles pages. J'ouvre un peu au pif, hein, là je vous laisse. Voilà. Truc et astuce du maître du jeu, voilà, il y a toujours des conseils. Moi je pense que c'est bien quand vous êtes éditeur de vous dire je vais faire mon jeu. D'accord, il y a des gens qui connaissaient le 5A, on est quand même à la 3e, 4e édition, ou même la 5e maintenant. Mais de se dire qu'est-ce qui se passe si quelqu'un commence le jeu. Voilà, on a un Nezumi en couleur. Voilà. Ok, enfin un petit peu moins japonais que ceux qu'on avait dans la 2e édition en fait. Il fait plus monstre en fait, même s'il a des anneaux, des boucles d'oreilles et tout ça, et qu'il a des vêtements, je trouve qu'il fait un peu plus animal. On dirait pas, on le verrait pas avec une petite famille se faire un petit barbecue quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Et sur la 4e, par contre, j'ai l'écran. Bon, je l'ai pas sorti avant. Ça se présente toujours comme ça. Il y a un. Voilà. Donc là, je crois pas qu'il y a un petit manuel, je vais voir, je sais plus. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc comment ça se profile? On a une petite feuille avec le gris toujours et un masque. On a l'écran. Alors je m'en souviens absolument pas à quoi il ressemble. Je vais le découvrir avec vous. Alors c'est en format. Alors je trouve très très beau. Vraiment très très beau. On a un samouraï du clan du lion avec l'illustration qui dépasse, qui donne dans la bataille. Je pense qu'on a une licorne. Et ensuite, le dernier à droite, j'ai l'impression que c'est un phénix au niveau du schéma là, ici, mais je suis pas sûre. Donc c'est super bien. On a. Voilà. Alors ça brille pas trop là, c'est bon. Voilà. Et très très bien. C'est pas mal. Moi qui suis petite, vous imaginez, tu vois, quand je pose sur l'écran, c'est à peu près ça, quoi. Sur table. Donc c'est bien parce que des fois, j'avais des écrans, j'étais comme ça, je masterisais, je voyais rien, quoi. Là, c'est pas mal. Déjà, bah, je voyais rien et puis du coup, il n'y avait plus de chips. Tout le monde avait pris la bouffe. Là, je vois. Là, je peux voir si ça triche aussi. Ah, j'ai eu beaucoup de joueurs qui trichent, hein, moi, sur L5A. Hein. L5A, c'est un jeu où on jette des dés, on doit additionner. Donc, je peux vous dire que j'ai révisé mes additions en jouant. Ah, ça triche, hein. Ça triche sur L5A. Hein. C'est bouh, les gens. Et ensuite, on a le petit manuel qui est vraiment très fin sur celui-là, hein, sur cette édition-là. Très, très fin. Et est-ce que c'est un scénario? Aventure de l'écran du maître, on est sur un scénario. Voilà, je me souvenais plus. Et voilà, on est sur des illustrations comme ça. L'intérieur. J'aime beaucoup cette encre comme ça. Avec ça, je trouve ça très beau. Ça a beaucoup évolué. Hein. Voilà, donc vous avez vu tout. Je vous montrerai pas la 5e édition parce que je l'ai acheté en PDF. Là, je vous montre vraiment les livres physiques que j'ai pour les ouvertures de calendrier. La 5e édition, j'ai encore du mal à me mettre dessus parce que le système il change beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette prise de risque qu'on avait quand on jouait aux éditions précédentes. Dans les éditions précédentes, en fait, on avait ce qu'on appelle l'augmentation. C'est-à-dire que le joueur, par exemple, il va faire un poème. Et il sait qu'il est bon plutôt. Qu'il est bon pour faire un poème. Donc de base, en jetant les dés, il va passer un seuil de difficulté normal. Et s'il veut faire de lui-même un poème qui vraiment est incroyable, qui est unique et qui va marquer les esprits. Il peut choisir de faire des augmentations, donc de lui-même monter la difficulté du jet pour au moment de les lancer, ben, se mettre sur une vraie difficulté en termes de jet de dés, mais en même temps augmenter la qualité de ce qu'il va créer. Et par contre, s'il rate, ben, il rate complètement. Et c'est ça, c'était une prise de risque. Et à L5A, ce jeu, c'est vraiment, tu prends des risques, tu mesures les risques, tu dis, bon, voilà, ben il faut que, socialement parlant, il faut que je marque le coup, ou même dans les combats, tu peux te permettre de faire des augmentations pour faire plus de dégâts. Ou à obtenir d'autres choses dans le combat. Alors que dans la dernière édition, j'ai l'impression que c'est en jetant les dés que t'as des aubaines et t'as plus du tout cette manière de te dire ah bah attends, je prends un risque moi-même consciemment. C'est ah bah j'ai une aubaine ou j'ai pas d'aubaine.
Du coup, je trouve ça un peu moins dans la philosophie de ce que je connaissais du jeu d'avant. Donc je suis un peu perturbée encore par cette édition. Je ne l'ai pas lu en entier. C'est vraiment juste l'impression, c'est une première impression que j'ai. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, ceux qui ont connu les versions d'avant et qui sont passés sur la dernière, à me dire pourquoi ils sont passés, qu'est-ce qui leur a plu au final. Le livre est magnifique. J'aime beaucoup le fait qu'il soit reparti un petit peu à plat pour l'histoire. Parce qu'il faut vous dire qu'à chaque édition, ils ont augmenté le contenu, c'est-à-dire l'histoire de l'univers. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des choses qui ont changé. L'histoire d'L5A, elle est aussi liée à des tournois de jeux de cartes, que je ne vais pas forcément développer parce que je connais pas trop, mais ils n'étaient pas non plus complètement libres quand ils faisaient les histoires. Ils devaient suivre aussi les résultats de concours de tournois. Donc des fois, c'est des choses un peu bizarres qui sont ressorties. Moi, j'ai du mal à, dans un jeu, quand on touche aux divinités. C'est-à-dire que dans L5A, on a Amaterasu, la divinité du soleil, et je sais plus le nom japonais pour le dieu la lune, je crois que c'est Onotangu. Et en fait, ces dieux-là, au fur et à mesure des épisodes, enfin des livres, ils ont changé. Ils ont changé, bah, alors l'explication, je m'en souviens plus, parce que pour moi, c'était super bancal. Et j'ai du mal, en fait. Pour moi, un dieu, en fait, c'est quelque chose qui est intemporel, en fait, qui était là avant, qui sera là après. Du coup, quand l'histoire amène, par exemple, un personnage humain à devenir un dieu à la place du dieu, bah vraiment, je le bug. Qu'il devienne un dieu à part entière par rapport à quelque chose qui le définit lui-même, c'est quelque chose que je comprends et que j'arrive à mettre en scène dans mes parties, mais qui prend la place d'un dieu, j'ai vraiment du mal, en fait. Et ça m'avait fait un peu bugger sur les parties. Peut-être que c'était juste l'explication que j'avais mal compris et qui était bancale, mais là, vraiment, ça m'avait un peu sorti du monde parce que. Pour moi, c'était quelque chose de sacré dans cet univers-là, les dieux qui sont dans un lieu où on n'y va jamais, en fait. On sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, ils font partie de l'histoire, mais en même temps, c'est pas des choses qui sont accessibles. Le fait qu'ils deviennent accessibles et qu'ils soient, entre guillemets, renversés, bah, ça m'avait un peu perturbé, donc voilà. La dernière édition, elle a le mérite de reprendre tout à plat et de poser les bases. Je sais pas si quelqu'un qui connaît pas du tout L5A sur la cinquième édition, bah, il est pas perdu, au contraire, c'est bien expliqué, il est bien accompagné. Ou s'il faut déjà avoir un peu de bouteille, quoi. Donc voilà. Moi, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire sur ma chaîne L5A. Mais honnêtement, la cinquième édition, pour l'instant, je suis très fébrile pour me lancer dessus, quoi. Et c'est assez volumineux aussi, hein, les règles. Donc je suis pas encore à l'aise dessus, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous dis à demain pour une prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde, bye bye! À bientôt!